Mortel. La caverne des terres brûlées. Je vous déconseille d'y entrer. Ouais, bon, d'accord, c'est pas très rassurant, mais c'est pas si grave. Ok, on y va. Retenez votre souffle ou l'esprit vous envahira. Ah, quelle vieille superstition. Pronto ne retient pas son souffle pour rien. Peut-être que pour une fois... Vous me faites rire, les amis. Je vais aller voir ça de plus près. Ellie, ne fais pas l'idiot. C'est bien d'ici que viennent les slugs fantômes. Allons voir si on peut en attraper. Allez, venez, les gars. Où est votre sens de l'aventure? Je suis pris par une effroyable terreur. Tout ce qu'on va trouver ici, c'est des... Des chouettes enrhumées? Oh, mais par mes moustaches, Ellie, on te parle de fantômes. Moi, j'ai pas peur des fantômes, parce que ça n'existe pas. Venez, on n'en a pas pour longtemps. Bon, attendez-moi là, je reviens dans une minute. Ah, non, Ellie, non, je n'aime pas ça. Ellie, où es-tu, mon frère? Non. Boum. Toi, si tu savais comme je te hais. Si vous aviez vu la tête que vous avez faite. Non. Très réussi. À qui je dois cette blague? Pas à nous, en tout cas. C'est bloqué. On est pris au piège. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée, après tout. Attendre 10 000 ans avant que quelqu'un vienne nous sauver. On va voir si on peut trouver une sortie. Et filmer des fantômes. Je dirais plutôt des personnes. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Nous sommes dans une mine d'or qui fut très active et qui fut abandonnée. Nombreux sont ceux qui se sont aventurés à l'intérieur et qui en sont ressortis en hurlant de peur. Ou pire, qui n'en sont jamais ressortis. C'est grandiose. On va trouver de nouvelles slugs et résoudre ce mystère. Dans les deux cas, ça nous fera un super film. Un film de notre fin cruelle? Hé, fais-moi passer pour un héros quand les esprits viendront manger mes cerveaux de topoïdes. Tu as bien dit tes cerveaux? Oui, bien sûr. Les topoïdes ont deux cerveaux. C'est pourquoi je suis deux fois plus effrayé. Et deux fois plus appétissant. Pronto, c'est juste une pelle. Le brouillard est trop épais. Je n'y vois plus rien. On devrait faire demi-tour pendant qu'on a encore nos cerveaux. Mais personne ne veut manger tes cerveaux, Pronto. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cerveaux? J'ai un petit gadget qui devrait nous sortir du brouillard. Un sonar, les amis. La voix est libre. Non, c'est trop bien, ce bébé marche à merveille. Tu es vraiment sûr qu'il fonctionne? Eh ben, je suis désolé, je l'ai mis à l'envers. Ça suffit, je vous conduis vers une sortie. Allons, c'est amusant, c'est comme Halloween. C'est quoi Halloween? C'est une tradition chez les Chênes. Une fois par an, on s'habille en costumes qui font peur et on obtient des bonbons. Vous forcez les gens à donner. Eh bien, Pronto, je t'ai jamais vu aussi effrayé. Pronto n'est pas effrayé. Pronto est... Faites demi-tour. Terrifié! Je peux me tromper, mais on aurait vraiment dit une fois. Ou une chouette malade. Ça disait
Faites demi-tour. C'était le vent. J'ai l'habitude, le vent dit toujours faites demi-tour. Ouais, j'espère que tu as raison. Hé, Pronto, regarde, un fantôme dévoreur de cerveau. Ha ha, très drôle, monsieur le troll des cavernes. Faites demi-tour. Ah 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 ah, un fantôme. Je vous l'avais dit. Je ne crois pas qu'il cherche à se faire des amis. À nous de jouer, les gars. Quoi? On passe à travers. Par ici. Allez, les gars, sautez. Mais qu'est-ce que tu... On manque de souffle, les fantômes. Je n'y croirais pas si je ne le voyais pas de mes propres yeux. Au moins, on les a semés. Sauvez-vous, fantôme! Craignez-moi! Pourquoi ils sont partis? Oh, cachez-vous! Ils reviennent! Non, écoutez. C'est autre chose. C'est quoi cet endroit? Le Slug Terra Express? Qu'est-ce qu'il fait à cette profondeur? La mine n'a jamais été fermée. Tout est neuf. Je veux dire, vraiment neuf. C'est bien celui que je crois? L'exécuteur le plus craint de Slug Terra. El Diablos Nacho. Vous avez une heure. Mettez vos uniformes et au travail. Qu'est-ce qu'ils font là en bas? Ils sont là. Faites demi-tour. Ma réponse est toujours non. C'est ça, une slug fantôme? Non, plus maintenant. Elle a été transformée en goule. Maintenant, c'est une slug des ténèbres. Elle vous transforme en lâche peureux jusqu'à ce que les effets s'estompent. Pourquoi sa slug les a touchés et pas les nôtres? Eh bien, sûrement parce que ce sont des goules. Qui sait ce qui peut arriver quand Black les transforme? Tu as entendu les fantômes, à lui aussi lui disait de s'en aller. Pour fuir quoi? C'est bon, les gars, on s'en va. Ouvrez les portes. Je veux savoir ce qu'il mijote. D'accord avec toi, petit. Il serait plus sûr de rester ici, ou de courir le plus vite possible dans l'autre direction. Et... par là! Mais pourquoi personne n'écoute jamais Pronto? Trop tard. Il faut qu'on accède à la salle de contrôle. Excellent. Je m'en charge. Une farce ou des bonbons? Hein? Donnez-moi le mot de passe. Oui, aïe. Oui. Et voilà, c'était le bon mot. Cherche tout ce qui te paraît étrange et regarde si tu trouves un bouton pour ouvrir cette porte. Ellie, regarde cet homme! Quoi? Qu'est-ce qu'il a d'étrange, ce mineur? C'est un des esprits qu'on a combattu tout à l'heure. C'est le même homme. Tu vois? C'était un homme, c'est un fantôme! Affaire classée! Et si les mineurs étaient prisonniers? Ils disaient faites demi-tour. C'était peut-être un avertissement pour qu'on sorte d'ici avant qu'il nous arrive la même chose. Excellent conseil, oui, je suggère qu'on le suive. Nous devons savoir ce que Black vient chercher ici.
Beau travail, Pronto. Regardez, regardez ça. L'activité minière est très développée dans ce secteur. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces barils? Tu ne revêts pas des uniformes sécurisés pour rien. Ce qu'ils manipulent est très dangereux. L'eau sombre. Tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Et c'est pas bon. Les anciens trolls l'appelaient Karum Zanul. Eau sombre. Notre caverne était aussi profonde que celle-ci. Parfois, un peu de ce liquide coulait à travers les fissures. Et à chaque fois, des choses étranges se passaient. Des choses surnaturelles. Bien, mais qu'est-ce qu'ils font avec l'eau sombre? Regardez. Voilà comment Black transforme les slugs en ghouls. Il se sert de l'eau sombre. Avec une telle réserve, Black pourrait changer toutes les slugs de Slug Terra en slugs diaboliques. Si on lui coupe son arrivée en eau sombre, on l'empêche de vampiriser les slugs. Il faut qu'on détruise ce puits. Burpee est dans le coup. Moi aussi. Moi aussi. Non merci. Allons Pronto. On ne dit pas allons Pronto à Pronto. Je refuse que quelque chose de surnaturel transforme mon corps. Tu ne peux pas partir. Oh, que si, j'ai suffisamment de courage pour ça. Tu as raison. La chance n'est pas avec nous, et il est clair que tu as peur des fantômes. Mais je sais qu'il y a une chose dont tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de faire le bon choix. Et spécialement lorsque la gloire est ta récompense. Ah oui, j'aime la gloire. Allez, Pronto revient. On ne peut peut-être pas les attaquer, mais... j'ai une solution. Ça ne marchera jamais. Si, l'idée est excellente. Je ne vois plus Nacho et tout le monde est occupé à travailler. Tu nous as dit que cette substance déclenchait des choses étranges. Quel genre de choses, par exemple? Eh bien, c'est comme si... ta vie était aspirée hors de toi. Pas étonnant qu'ils portent ces combinaisons. Il n'y a pas de fantômes. Les mineurs ont été exposés à l'eau sombre, c'est tout. Comment arrêter cette machine? En la faisant exploser, non? Et en noyant la caverne? Non, merci. Il faut qu'on atteigne la pompe et qu'on la ferme manuellement. D'accord. Mais on fait comment avec les gardes? Ah, pitié! Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de charisme et de force de persuasion. Hors de ma route, pauvre cloche! Tout en finesse. Vous avez entendu? Dégagez, pauvre cloche! Il est probable que nous ayons une fuite. Voyez dans quel état il est. Si vous avez envie de rester sec, alors retournez au train. Ah, vous avez vu? Du charisme jusqu'au bout des doigts. Bon, allez, on coupe cette horreur. Je ne sais pas, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas comme si on avait une vanne. Chargez un autre wagon. Allez, d'une heure. Pense, troll, pense. Pense plus vite. Ils vont finir par réaliser que nous manigançons quelque chose. Ne restez pas plantés là. On a de la visite. Tiens à distance. Vous trois, vous essayez de trouver un moyen de fermer ce puits. Ellie a été touchée par une slug fantôme.
Elle me court après, dites-lui d'arrêter. Ils vont sortir de leur cachette. Et voilà! Vous feriez mieux de retourner chez vos mères et dites-leur bien que c'est Pronto qui vous envoie! C'est incroyable parce que j'ai eu peur. Allez, il faut qu'on retourne vers les autres. Ah, les effets de cette slug fantôme transformée jouent encore sur mes nerfs. Je n'aime pas du tout ces grognements. Waouh! Toi, tu dois être une slug fantôme. Pas mal le tour que tu viens de jouer. Je pourrais avoir besoin de toi dans mon équipe. Oh, wow. Attendez! Attendez! On est dans le même camp! Vous êtes tombé malade après que Black ait creusé ce puits, n'est-ce pas? Et pendant tout ce temps, vous avez prévenu les gens de rester à distance pour que la même chose ne leur arrive pas. Mes amis et moi, nous voudrions mettre fin à votre malheur. Vous nous aidez à combattre. Il faut qu'on trouve un autre moyen de fermer ce puits. On n'est pas assez nombreux. Où est Ellie? Où es-tu, Ellie Shane? Réchauffe-nous l'ambiance. Parfait! Tu veux te battre, Nacho? Alors viens me chercher! Vous ne me faites pas peur. Non, j'ai de quoi te faire changer d'avis. Allez, sortez-nous de là, tout de suite! Arrêtez ce train! Cette slug a détruit la salle de contrôle et tous les systèmes de sécurité ont sauté! Alors, tout va exploser! Il faut qu'on bouge ce conduit! Mais qu'est-ce que c'est? Tu es parfait! Ben oui, je sais! Attends! Parfait pourquoi? Une fois encore, Pronto est le sauveur! C'est bon, les gars, ça devrait suffire! Ce puits est enfin fermé! Et nous veillerons à ce qu'il le reste pour toujours. Hé, hey, regardez! Wow. Les effets, ils disparaissent! Oh. Oh. Ouais. Alors, vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas plus gentil que les fantômes! Comment ça vous est arrivé? Eh bien, c'est une longue histoire. Mais autrefois ici, c'était une mine d'or. Puis Black a racheté la compagnie, et le travail a changé. Black nous a fait creuser le puits. On ne savait pas pourquoi, mais un jour, ce fut trop tard. Nous avons tout fait pour l'arrêter. Mais avec les Slugs, Ghouls et... dans notre état, on ne pouvait pas rivaliser. Si vous n'étiez pas venu, je ne suis pas sûr que nous aurions tenu le coup.
Mais au fait, que faites-vous ici? Il y en a un de nous qui voulait aller à la chasse aux slugs. Vous vouliez ce genre de bête? Prenez-la, vous pouvez tous en prendre une. Merci, mais c'est inutile, j'en ai déjà une. Qu'est-ce qui ne va pas, Ellie? Eh bien, ce n'est pas une victoire parfaite. Les hommes de Black sont partis avec énormément d'eau sombre. Qui sait quelle quantité il a déjà accumulée? Et si déjà il maîtrise l'eau sombre des cavernes profondes, alors où s'arrêtera son pouvoir ?